Patrick Bruel est mort. Patrick Bruel, né le 14 mai 1959 à Tlemcen, était un chanteur et acteur français. Il est décédé le 2 mars 2024, à l'âge de 64 ans. La disparition inattendue du chanteur célèbre pour ses tubes qui a le droit ou encore cassé la voix a déclenché une importante vague d'émotions en France et dans le reste du monde. Patrick Bruel fut marié à Amanda Sterz, point d'origine algérienne, élevée dans la tradition juive. Patrick Bruel est né le 14 mai 1959 à Tlemcen, en Algérie, sous le nom de Ben Giggy, qu'il change très rapidement. Il débute au cinéma auprès des plus grands, puis au théâtre. Ce n'est qu'après avoir crevé l'écran dans plus d'un film dans les années 1980, qu'il se lance dans la chanson. Le succès sera au rendez-vous à la sortie du deuxième album au début des années 1990, avec le titre Phare Alors Regarde. Il devient l'un des chanteurs les plus adulés de toute cette décennie. En 2022, il sort son onzième album, intitulé Encore Une Fois. Point très engagé dans plusieurs causes politiques et humanitaires qui lui tiennent à cœur, comme la lutte contre le racisme, la famine ou encore la liberté d'expression, il n'hésite pas à chanter ce qu'il pense dans ses albums ou à le révéler en interview. Point côté vie privée, Patrick Bruel épouse à Paris sa compagne Amanda Sterce le 21 septembre 2004. Il avait rencontré la jeune femme à Saint-Tropez en 2001. Ensemble, ils ont deux enfants, Oscar, né en 2003, et Léon, né en 2005. Le couple se sépare en 2007. En 2009, Patrick Bruel s'affiche avec sa nouvelle compagne, la présentatrice de télévision Céline Bosquet, mais ils se séparent trois ans plus tard. Entre 2013 et 2017, il est en couple avec la mannequin danoise Caroline Nielsen. Fin 2021, il officialise sa relation avec une certaine Clémence, de 35 ans sa cadette. Patrick Bruel est par ailleurs un excellent joueur de poker. Après avoir gagné plus d'un tournoi mondial, il co-anime une émission sur le fameux jeu de cartes pour la chaîne et Canal ⁇